À toi de voir. Je pourrais geler cette machine. D'accord, on fonce. Devrait bien la mousse. L'ennemi a fait ça? C'est dur à croire, mais oui. Ennemi droit devant. C'est mieux d'avancer. La salle dans laquelle on a trouvé Beta se trouve juste après. Passe devant. Vous pouvez toujours scanner. Les machines sont vaincues. Il faut continuer. C'est bien cette salle-là? Oui, il va falloir qu'on descende. On y est. Maintenant, on doit trouver un moyen d'accéder à la base de données dont parlait Gaël. Je t'attends ici. Varl a dit que tu avais trouvé Beta dans une de ces capsules. Je détesterais être enfermé là-dedans. J'aurais... l'impression d'étouffer.
Je crois que j'ai trouvé ce qu'on cherche. J'espère qu'on trouvera les réponses qu'il nous faut. Je vais charger la base de données dans ton focus, tu pourras la consulter plus tard. Et où sont les composants? Ils devraient être quelque part au... des spectres. Combat avec honneur! Personne ne nous arrêtera! Les ennemis risquent d'envoyer des renforts. On doit se dépêcher et partir au plus vite. Les composants devraient se trouver quelque part au deuxième niveau. Je te suis. On va devoir fouiller tout l'étage. Je vais faire le guet. Je préfère éviter d'autres surprises. Bonne idée. Une ventilation. Je devrais pouvoir sortir de cette salle. Dis-moi que les composants sont là-dedans.
Les composants sont forcément dans le coin. Je vais retourner voir Cotalo pour lui donner ça. Tu as trouvé les composants ? Vois par toi-même. Je te remercie, Aloy. Qu'y a-t-il ? Je me demandais ce que j'allais ressentir une fois le bras construit. Est-ce que je serais différent ? Plus complet ? C'est stupide. J'y réfléchirai quand nous serons rentrés. Je te rejoins là-bas. Je vais peut-être rester encore un peu, voir s'il y a des choses utiles. Comme tu veux. J'ai hâte de pouvoir assembler ce qu'on a trouvé. Marche avec les 10. Aloy, je peux te parler ? Te revoilà. Parlons un peu. Comment ça avance, ton bras ? Il est presque terminé, mais je dois encore parfaire les réglages. Bientôt, je vais le tester.
J'ai hâte de voir ce que ça donne. Mon amie Talana est passée à la base. Tu as pu la rencontrer ? Rapidement. Elle a de l'audace pour entrer en territoire Ténac, vêtue de son armure Karja. Elle aura de la chance si mon peuple ne la bat pas à vue. Elle fera attention. Elle cherche simplement quelqu'un qui pourrait avoir besoin de son aide. J'espère, dans ce cas, que cette personne mérite de tels risques. Je ne vais pas tarder. Reste toujours vigilante. J'espérais pouvoir te parler, Alain. Étrangère.
Cette épave est éparpillée dans toute la montagne. Le signal provient de derrière ces gravats. Si j'arrive à les traverser. J'aurais dû nous laisser tous mourir d'un coup. Maintenant, on est 12 à être piégés. Attends. Ça a dû être terrifiant. D'attendre ici que les machines de guerre arrivent. Ils ont tenté de survivre, alors que les machines de Pharaoh supprimaient toute vie sur la planète. Tous ces gens ont été victimes de l'ego d'un seul. Ça a détecté un autre enregistreur de vol. Je peux me servir de munitions électriques. Thank you.
ça dans mon sac. Thank you.
Peut-être falaise. Kotalo a dit que je pourrais m'y ravitailler avant de rejoindre le ferry des Queen. Regala va s'attaquer au bosquet et au chef. D'une manière ou d'une autre, cette guerre aux yeux étrangers va gagner sa place. Au moins, elle s'invite. Tu vas revenir, cette chance. Une autre fois. Bon, maintenant que j'ai passé falaise, je dois me diriger vers l'ouest jusqu'à atteindre la côte. Et le ferry Queen. Évite de t'en mettre plein les doigts. Un bon petit remontant. Non pas que tu en aies besoin. Ma force est tienne. Hé, étrangère. Viens faire affaire avec moi.
sais où me trouver. Genre de discours pourrait te donner. Je sais le bonjour. Derrière. Et tu dois quand même reconnaître que c'est un précieux. Et ton air marche pas ici. Voilà bien régalade. Mais il fera prendre. Que ta lame brille de mille feux. Bienvenue, guerrière. D'accord. Je voudrais savoir que j'ai entré. Le piège depuis la dernière fois. Tant mieux pour toi. Moi, je compte sur mes talents de stratège. Pour toi. Tu vas avec nous. Mais il tient le coup. Va avec nous. Tu devrais éviter de caracoler. Et l'honneur te dit. Thank you.
machine se moque bien de l'acide. Faut que j'improvise. Voilà. Je vais pouvoir traverser pour rejoindre Vivter et Alva. Personne. Bizarre. Bon. Rien ne m'empêche d'aller prendre un bateau. Je pourrais prendre ça dans ma réserve. M'entraîne au sud. J'ai pas le choix, je suis poussée vers la plage. Personne ne garde ce côté du ferry non plus. Où sont les Quinn ? À Vivter, j'imagine. Je devrais y aller. Ça doit être au nord-est. Voilà donc les ruines de San Francisco. Une ville entière de tours en ruines. Et enfouie quelque part là-dedans se trouve Ted. J'espère qu'Alva et les Quinn pourront m'aider à le trouver. Un
cuisinier saura quoi en faire. Je détecte un enregistrement de voix. Il y a un enregistreur de vol pas loin. Je pourrais l'ajouter à la collection, au Bosquet. C'était leur dernier secret. C'était pas une arme. C'était juste un espoir que la vie puisse perdurer. Je ne capte plus de balises sur mon focus. Je dois être le tout dernier enregistreur. La guerrière Ténac du Bosquet pourra terminer sa collection quand je lui donnerai celui-là. Mince!
Sûrement du Sopazik. Si je récupère ces données, je pourrais le reconnecter au dôme depuis la base. Mais comment je grimpe là-haut? Ça doit être l'entrée de Vivterre, là-bas. C'est bien elle? C'est l'ancêtre, Viv... C'est bien Vivterre, ici? Je viens parler à Alva. Le gouverneur Boaï nous a ordonné de te faire entrer, si tu venais ici. Viens, je t'en prie. Va, qu'il sache que nous arrivons. C'est elle! La devineresse avait raison. Boaï, une étrangère vient de franchir les portes. Je savais qu'Alva n'oserait pas mentir. Tu ressembles bien à Sobek. Est-ce qu'Alva est ici? Je dois lui parler. Je vais étudier ta requête quand j'aurai réussi à déterminer ce que tu es. Une ancêtre vivante comme Alva le pense, ou une menace cependant bien déguisée? Je viens en paix, d'accord? Sur le continent, vos soldats m'ont prise pour cible sans mise en garde. Facile à dire, mécréante. Maintenant que ceux que tu as affrontés sont tous morts. J'ai tenté de les raisonner quand... Je te présente notre honoré PDG. Bien, c'est donc elle, notre si grand mystère. Alors, Boaï, qu'as-tu découvert? Qu'est-elle donc? Oui, c'est un mystère, mon PDG. Elle apparaît sous les traits de Sobek, et pourtant ne sait rien de nos coutumes. Peut-on vraiment croire qu'une ancêtre bien vivante ait pu naître sur cette terre désolée? Qu'un océan sépare du royaume des élus? Et si c'est ainsi, alors pourquoi? Je ne peux pas répondre. Elle seule le peut. Mais je te préviens, aucun mensonge ne nous conviendra. Parle maintenant. Que fais-tu ici? Quel est ton objectif? Je cherche un endroit qui s'appelle Thèbes. Et que recherches-tu là-bas? Il se trouve qu'Alva m'a un peu parlé de votre quête. J'imagine que nous cherchons la même chose. Un moyen de guérir le monde. C'est bien ce que j'imaginais. Dis-lui. Nous savons où est Thèbes, la toute dernière demeure des secrets de Tête Pharaon. Ce n'est pas loin, mais son entrée est inaccessible. Les attaques de machines nous ont forcés à battre en retraite. La devineresse Alva y est accompagnée d'un bataillon de pelleteurs et de soldats. Est-ce qu'elle va bien? Nos éclaireurs affirment qu'une des machines a réussi à bloquer les nôtres, derrière leur ligne de défense, mais ils tiennent le coup. Des machines, hein? Je dois pouvoir vous aider. Alva nous a répété que tu étais quelqu'un de formidable. Mais j'aurais quelques questions d'abord. Oui, nous te dirons ce que nous savons. Quel genre de machine tient les vôtres en échec près de Thèbes? Un gueule d'orage. Nous en avons déjà vu d'autres, mais celui-ci est... Puissant, robuste, avec une armure noire? Oui. Comment le sais-tu? Peu importe. Ce sera pas simple, mais je peux l'abattre. Voilà le destin qui soudain s'illumine. Je savais que ça arriverait.
Une ancêtre vivante marche aujourd'hui à nos côtés. Et grâce à elle, j'accéderai à tous les secrets de Thèbes. Refais tes provisions si tu veux. Puis direction Thèbes, au pied de la pyramide, entre les ruines. Nous te rejoindrons quand nous serons sûrs que la voie est libre. Et voilà, tu vas déjà mieux. Pas maintenant. Tu te sens mieux ? Pas prendre de service. Ne commence pas. Je ne voulais pas. Pas très poli. Je suis prête à faire affaire. Bon, je dois rejoindre la Grande Pyramide pour combattre le gueule d'orage. Ton épaule va mieux ? Prête à prendre le service. Qu'est-ce que je te fais ? Attention à ce que tu dis. Nous n'avons pas à remettre. Moi ça. Mes plats vont se vendre tout seuls. J'attendrai ton retour.
ton épaule bat. Bien le bonjour. Mélopé honore. Attaquer le bosquet. Je veux que je me sois trompé à ton sujet. Ah ouais? Laquelle? Non, je ne te le dirai pas. Je lâche rien. Je sais ce que tu veux dire. C'est un honneur. Je vais aller le voir de mes propres yeux. Tu sais, je pensais que le chef et Caro avaient un bon. Marche la tête haute. Rejoignez la JTF10 pour une opération. Je peux te poser une question? Bien sûr. Eh, j'ai trouvé d'autres voix qui pourraient t'intéresser. Je suis sûre qu'elles m'apprendront beaucoup. C'est la dernière des voix que je peux détecter. Tu les as toutes eues ? J'avais peur que les ratisseurs les épillaient avant qu'on puisse les récupérer. Les voix de ces anciens soldats méritent qu'on leur rende hommage. Ce n'est pas une vulgaire attraction. Je veillerai à ce que ceux qui viennent les écouter sachent que c'est toi qui les as sauvés pour nous. D'un enregistrement à tout cela. Maintenant, on peut en apprendre bien plus sur cette guerre oubliée. Merci. Ça fera de moi une meilleure guerrière. Une meilleure Ténac. Ici Roméo, quel est votre statut actuel? Vol 41, ajustez votre cap pour éviter la colonie. Vous confirmez? Terminé.
Merci de confirmer. Dire que Léocéram était à l'origine des engins des Karja. Et l'unique chose qui nous sépare du monde. En effet, et que des gens. L'eau est agréable. On se croirait dans des sources chaudes. Regardez ça. C'est énorme. Et ça continue jusque tout en bas. Ce tunnel mène au cœur de la structure. Il doit bien y avoir un moyen d'arrêter cette turbine quelque part. J'ai arrêté la turbine. Bon. Entrer les Quinn. On dirait une salle de sport. Une pièce de vie. C'est plutôt grand.
ça mène à la porte principale. Je dois faire entrer les Quen. Regardez cet endroit. C'est plutôt classe pour un bunker. On dirait une sorte de commande d'accès. Ah, parfait. Une fonction d'évacuation. Issue de secours. Activée. La porte est ouverte. Le destin nous appelle. Je savais que tu y arriverais. Que se passe-t-il ? Le PDG se prépare à entrer dans Thèbes. Oh, pourquoi t'es déguisé en tête Pharo ? Je suis Pharo. Je suis revenu. Mon essence est pareille à la sienne. Après tant d'années, tant de générations, son âme est mon âme. Sa volonté est la mienne. Il n'y a plus qu'une chose qui nous sépare. Il me faut son dernier témoignage. Tous ses plus grands secrets. Et maintenant que la porte est ouverte, ses secrets sont à ma portée. Quand je les aurai, je serai enfin complet, comme il l'était. Et j'aurai enfin tout ce qu'il me faut pour sauver nos terres bien-aimées. Et je pourrai, comme Pharo, sauver le monde. D'accord. Je crois que tu te méprends un peu sur sa nature profonde. Personne ne sait mieux que moi qui il était, car Pharo, c'est moi. Celui qui renouvelle, le plus grand de tous les ancêtres. C'est l'homme qui a sauvé le monde. Et toi, tu comprends Sobek, car tu l'incarnes, la messagère de Pharo, son assistante. Viens, toi et moi, nous allons pénétrer dans Thèbes côte à côte, comme il se doit. Qu'on lui passe la tenue. La tenue ? Comme il est Pharo, tu es Sobek. Pour un événement si grand, ne devrais-tu pas porter un vrai uniforme ? Oh, non. Non, je ne porterai pas ça. Jamais. Tu vas porter la tenue adéquate pour marquer cet instant. Sinon quoi ? Il est dit que Sobek estimait la vie plus que tout. Est-ce que c'est vrai ? Bon, je vais la mettre, votre tenue. Excellent. Pouvons-nous y aller ? Regardez cet endroit. Quelle splendeur. Le domaine de Pharo. C'est à couper le souffle. Excellent. C'est dans cet endroit que se cachent les secrets de Pharo. Allons les trouver. Votre magnificence. Oui, qu'il en soit ainsi. Je crois que ça mène en bas. Excellent. N'oublie rien de ce que tu vois là, Borai, pour la postérité. Cet instant aura son propre chapitre dans votre héritage, au Seigneur. Pharo s'est construit un sacré palais. Il n'en méritait pas moins. Bien sûr, votre éminence. Eh ben, c'est bizarre. J'ai essayé de te prévenir. Oui, si on veut. Je t'expliquerai tout si on survit assez longtemps.
Ça a l'air assez menaçant. Ah, des statues. Les gardiens du domaine de Faro. Ce ne sont pas des statues. Attention ! Faites sortir le PDG ! C'est à nous de jouer, je crois. Beau combat. Merci. Où est le gouverneur Borai? Il a choisi de retourner à la surface. Sage décision. Nous ne pouvons nous permettre de perdre d'autres devins. Bon, assez traîné. Nous devons poursuivre. Nous nous enfonçons toujours plus. Trône inclinable qui est relié à une sorte d'appareillage. Je me demande à quoi il sert. Très impressionnant. À quoi sert-il? Désolé, PDG. Je ne sais pas. Mon focus ne peut pas lire de données ici. Modification mineure au régime de thérapie génique. Et j'ai mis au point un remède pour les symptômes issus des mutations. Avec de la chance, le prochain traitement permettra une meilleure stabilisation. Dieu sait ce que Ted nous fera si ça n'est pas le cas. Les résultats étaient si prometteurs. Pas de vieillissement, pas de dégénération cellulaire. Mais bon. Si seulement j'avais accès à mon labo de Bangkok. Ou si mes collègues étaient là. Ou juste ma réserve d'alcool. Arrête. Il faut rester optimiste. Pour Kanya. Tu as vu quelque chose? Je le sais. Les données expliquent-elles comment Faro se servait de cet appareil? Je crois qu'il prenait des traitements pour vivre plus vieux. Beaucoup plus vieux. Ah bon? Il pourrait être encore en vie? Ne sois pas stupide. S'il était en vie, il aurait gardé son essence. Elle n'aurait pas pu m'être transmise autrement. N'oublie pas, c'était l'homme du renouveau. Il est bien évident qu'il n'aurait reculé devant rien pour s'emparer des secrets de la vie et de la mort. Mais pas pour lui seul. Il a réalisé tout ça pour assurer un nouveau départ. Pour nous, pour les Quen. Et pour son héritier, moi. Tu sais, peut-être que t'as raison au final. T'as un tas de points communs avec Ted Faro. Je savais que tu finirais par t'en rendre compte. Alors continuons. Ces secrets attendent. C'est un petit bureau. Pour un gratte-papier, peut-être? Regardez tout cet équipement. On se rapproche du cœur de cet endroit. Je peux le sentir.
défoncer la porte. Je vais chercher une autre entrée. Bonne idée. Ça a déjà marché. Très bien. Vas-y. Enfoncez-la ! Je pourrais fouiller la zone avec mon focus. Ouvrez cette porte ! C'est une sorte d'aération. Bonne idée. Combien de temps faut-il donc pour faire sauter une porte ? Elle a disparu. Elle a pu atteindre l'autre côté. Une console. Je peux peut-être accéder au fichier de tête. Autorisation Oméga. Je l'ai. Qu'est-ce que t'as à dire pour ta défense, Ted ? Sanctov est mort. Sa gosse aussi. Je les ai trouvés sur le sol de son bureau ce matin, main dans la main. Ils ont dû s'empoisonner. Je n'ai jamais voulu qu'ils se suicident. Ce n'était encore qu'une petite fille pour l'amour du ciel. Je leur ai offert la vie, et c'est comme ça qu'ils me remercient, en me laissant ici tout seul. Mais je suppose que je suis seul depuis que toute cette histoire a commencé. Seul pour porter le fardeau, pour le passé, pour le futur. Ce bon vieux Ted. Quand quelqu'un meurt, c'est sur son propre sort qu'il s'apitoie. Le futur de Liz, et de ses enfants. Le jour où ils viendront et je serai là pour les accueillir. Son Ptov disait que mon vieillissement s'était arrêté. En fait, ce sont mes cellules qui se renouvellent plus vite que la normale. Il me faut juste un peu de temps pour que les mutations se calment. Du temps. Et de l'énergie. Son Ptov dit que le réacteur peut me fournir de quoi trouver mes forces pour me remettre sur pied et accueillir les enfants. Ils auront besoin de moi. De mes conseils. De mon exemple. Et je ne serai plus jamais seul. Les secrets de Pharaoh sont-ils ici ? Non, pas ceux que tu recherches. Alors, ils sont forcément là-dedans. Crois-moi, il vaut mieux pas y entrer. Es-tu folle, alliée ? Je n'ai pas fait tout ce chemin pour m'arrêter maintenant ! Oui, enfin.
L'héritage de Tête Pharaoh est à moi. Qu'est-ce que c'est ? C'est lui. Brûlez tout, tout de suite ! Attends, non ! Pharaoh a fait en sorte que ça fonde si. Je l'ai aussi. Pas de témoins. Oh, oh, je vais devoir attaquer. C'est beaucoup mieux.
ça va. Qu'est-ce qui s'est passé? On a trouvé quelque chose d'utile. Pas seulement pour ton peuple, mais pour tout le monde. Mais où est le PDG? Il est... mort. On peut dire qu'il a donné sa vie pour nous permettre d'obtenir les secrets de Thèbes. Je vois. Tu dois penser que je suis un parfait imbécile. Quoi? Non. Non. Le PDG était un héritier narcissique qui déformait nos croyances en un fantasme tordu et répugnant. Et tu espères me faire croire qu'il a sacrifié sa vie pour quelques données. C'est l'heure de vérité, alors. Tu ferais mieux d'être convaincante. Dans le cas contraire, j'ordonnerais simplement à ces soldats d'ouvrir le feu. Attends. Tu as raison. Pour être franche, le PDG a tout fait foirer. Il a provoqué la destruction de Thèbes et il est mort comme un sale lâche. Mais on a bien trouvé quelque chose là-bas qui sera utile à ton peuple. Si tu me laisses l'emporter et l'utiliser. S'il le faut, je me battrai pour sortir d'ici, mais on n'est pas obligé d'en arriver là. Tu peux me laisser passer et t'attribuer tout le mérite quand ça ira un peu mieux. Le succès est forcément plus attrayant que l'échec. Il semblerait alors que nos destins sont entremêlés. Vive Terre t'accueillera toujours. Si ça t'aide dans ta quête, tu pourras y entrer quand tu voudras. Mais Alva devra t'accompagner et me rapporter tes avancées. D'accord. Thèbes n'a désormais plus de valeur pour nous. Alors bien sûr, il est temps de rejoindre la flotte. Alva, j'attends de tes rapports qu'ils soient détaillés. Oh, j'ai cru qu'il allait nous condamner à mort. Au lieu de ça, je peux te rejoindre. J'en suis ravie. Mais tu auras besoin d'un peu d'aide pour atteindre notre base. Varl, j'ai une nouvelle amie. Tu peux la rejoindre au ferry des Quen et la ramener à la base? J'y vais. J'ai hâte de la rencontrer. Crois-moi, tu vas adorer. Varl te donnera un meilleur focus et toutes les données dont tu peux rêver. Va jusqu'au ferry. Je te rejoins dans l'Est dès que possible. Une devineresse doit suivre la vérité, où que ça la mène. On se rejoint là-bas. Maintenant que j'ai le grade Oméga, on devrait pouvoir capturer Héphaïstos. Mais avant de me diriger vers le ferry, je devrais peut-être m'arrêter à Vivterre. Sans le PDG, les Quen seront peut-être un peu plus bavards. Je devrais peut-être aussi explorer cette île. Mieux de changer de vêtements. Quand je pense que le PDG m'a fait me déguiser.